Donc bonjour tout le monde, on va commencer même si tout le monde n'est peut-être pas encore rentré dans cet amphi. Donc merci d'être là. Déjà pour commencer, alors je vais présenter rapidement nos trois invités pour cette table ronde ou demi-ronde qui s'appelle « Comment enseigner le doute sans tomber dans le relativisme ?». Donc nous avons pour commencer Nicolas Tatessian qui est professeur agrégé d'histoire et qui enseigne dans un lycée à Strasbourg. Philippe Unemann, chercheur en philosophie des sciences au CNRS. Et juste à ma gauche, Arnaud Mercier, qui est professeur en information et en communication à l'Institut français de presse et président de The Conversation France. Voilà. Et moi, je suis Jessica Dubois et je travaille sur le projet d'éducation aux médias à l'ESJ, puisque je me dis que c'est toujours bien de me présenter également. Comme c'est l'heure de la digestion, je vais inviter également mes invités à parler un peu fort dans le micro de temps en temps, histoire de vous garder bien éveillés sur ce sujet. Même si je ne doute pas qu'il n'y aura pas de souci. Peut-être pour commencer, pour être sûr que tout le monde sache de quoi on parle, une première question à Philippe Unemann, qui était, est-ce que en deux phrases, vous pouviez résumer ce que c'est que le relativisme ? Alors, en deux phrases, non. Mais... Moi, j'ai quand même essayé. Non, le relativisme, en une phrase, ce serait, ça se résumerait par « à chacun sa vérité ». C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il n'y a pas de vérité objective et universelle, mais que chacun, à partir de sa situation personnelle, sociale, historique, détermine ce qui est bon... Ce qui est vrai pour lui. Alors il y a plusieurs genres de relativisme. Par exemple, s'il s'agit de vérité morale, c'est ce qu'on appelle le relativisme moral. Donc on va dire par exemple, oui, il est ni bien ni mal en soi de faire telle et telle chose, de tuer ou d'exciser, mais dans certaines conditions, pour certains c'est bien, dans certaines conditions pour certains c'est mal. Et le relativisme qui me semble plus en question dans cette session, c'est le relativisme qui concerne non pas les jugements moraux, mais les vérités. Hein. Par exemple, on peut penser au changement climatique. Si on est relativiste, on va dire oui, alors effectivement, pour les gens qui ont une sensibilité écologique, il y a un réchauffement climatique essentiellement dû aux activités humaines. Mais pour les autres, non, en fait, non, il n'y en a pas. Voilà, donc le relativisme, c'est ça. Et il y a énormément de variantes philosophiques du relativisme, certaines qui sont parmi les variantes contemporaines, dues au fait qu'on se rend compte que la science, c'est quand même une activité sociale, c'est une activité sociale située, dépendante de pas mal de choses, par exemple la culture européenne, issue des Lumières, et avec éventuellement un certain nombre de valeurs. Par exemple, on va préférer... On va essayer d'avoir raison, c'est une valeur dans la science, et que si on rejette toutes ces valeurs et si on n'est pas dans ce contexte, alors finalement la science c'est peut-être pas plus valable qu'autre chose. Voilà, j'ai excédé des deux phrases. Effectivement. Mais finalement, quand on parle un petit peu de tout ça, on a un peu cette histoire de biais cognitifs. Est-ce que finalement, est-ce qu'on n'a pas tous des biais cognitifs ? Est-ce que ça rentre dans ce débat sur relativisme, le fait que nous ayons tous des biais cognitifs ? Alors, les biais cognitifs, c'est une notion essentiellement de sciences cognitives et de psychologie. C'est l'idée qu'on va avoir tendance, d'une manière ou d'une autre, à faire systématiquement un même type d'erreur. Par exemple, si vous avez un risque de donner, d'attraper telle maladie, on peut soit le surestimer, soit le sous-estimer. Et alors un biais cognitif, c'est qu'on va surestimer systématiquement le risque d'attraper une certaine maladie. Par exemple, pour les maladies contagieuses, par exemple, ce type de biais cognitif explique par exemple la méfiance envers les malades du sida, parce qu'on va surestimer, alors qu'on sait objectivement quels sont les risques, etc., on va surestimer les risques. Donc ça, c'est un biais cognitif, et après, il y a eu des centaines de biais cognitifs qui ont été répertoriés dans la littérature. L'un des plus connus, dont on va sans doute reparler, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui est que si on a déjà une idée, Si on pense qu'une chose est vraie, par exemple si on pense que les thèses de gauche sont vraies, on aura tendance à lire de la presse de gauche, ce qui va effectivement renforcer nos idées et donc ce qui va renforcer notre tendance à lire de la presse de gauche, etc. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il y a des centaines de biais, il y a des discussions, il y a effectivement sur le bien fondé de cette notion, mais je pense que dans ce contexte c'est bien
de s'en tenir là. Voilà. Mais donc le relativiste, c'est pas le biais cognitif. Si on n'est pas relativiste, on va dire il y a des biais cognitifs et notre boulot, c'est de surmonter les biais cognitifs qu'on a pour essayer d'atteindre une vérité objective. Et sur le biais de confirmation, on peut ajouter, pour entrer un peu directement dans le sujet, qu'il y a un des biais cognitifs de confirmation, c'est le biais de confirmation sociale. S'il y a le biais de confirmation, c'est « tiens, c'est mon opinion », et le biais de confirmation sociale, c'est le fait qu'on a d'autant plus... on est d'autant plus prompt à croire quelque chose qu'on pense que beaucoup de gens le croient aussi. Et de ce point de vue, il y a un effet pervers absolu des métriques sociales, parce qu'avec Facebook, Twitter, etc., quand on voit qu'il y a eu 10 000 likes, qu'il y a 15 000 partages, on se dit « ah, donc je ne suis pas le seul ». Et donc l'affichage des métriques sociales est un élément, parmi bien d'autres, hein, mais qui active un biais comme celui de biais de confirmation sociale et rend du coup crédible un certain nombre de choses qui circulent parce que justement beaucoup de gens l'ont mis en circulation, beaucoup de gens l'ont liké. Ce qui m'amène d'ailleurs à dire que on a tous du coup une part de responsabilité dans justement la mise en circulation ou pas du doute, puisque un geste anodin comme liker ou partager, dont on se dit oh ma foi, eh bien il est contributif de la somme de tous ceux qui, à force de faire le même geste, vont déclencher un mécanisme qui est ce biais cognitif de confirmation sociale. Nicolas, peut-être vous aviez quelque chose à dire sur les valeurs. Sur les valeurs. Alors oui, moi je partirai pour situer un peu mon propos de mon expérience donc d'enseignant pour le coup. Alors je trouve que c'est important d'être un petit peu dans le mouvement comme vous l'êtes, situer des biais, etc. Puisque toute éducation est un processus et donc c'est un parcours en quelque sorte. Mais en tant qu'enseignant justement, et c'est ce que tu disais avant, il faut essayer de poser un cadre. Et je crois que la question de savoir comment on peut enseigner justement cet esprit critique, c'est-à-dire le doute, hein, finalement, ça relèverait de ce qu'on appelle dans le monde de l'éducation l'enseignement à l'esprit critique, ça se traduit tout simplement par le fait de poser un cadre. Et ce cadre, c'est un certain nombre de valeurs. Et là où je crois qu'il y a une faille, ou du moins une faiblesse dans le dispositif éducatif de notre pays, c'est que finalement, on a tendance à considérer qu'il s'agirait d'une méthode, l'enseignement à l'esprit critique, et que cette méthode, par la grâce de son efficacité, conduirait mécaniquement, en quelque sorte, à enseigner l'esprit critique. Or, en tant qu'enseignant, moi j'ai enseigné pendant 15 ans dans une ZEB de Strasbourg, maintenant j'enseigne dans le lycée qui est rattaché à cette ZEB, donc j'ai gardé une observation un peu dans le même milieu. Ce que j'ai pu en voir, c'est que il y a forcément une dialectique entre la méthode et la construction d'un esprit critique, mais il n'y a pas de mécanisme à celle-ci. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, c'est ce dont on disait avant, hein, avec une méthode d'esprit critique, on peut tout aussi bien arriver aux valeurs de la République qu'à Alain Soral, quoi, voyez, pour poser un petit peu les choses. Donc c'est là où il est important, je crois, de poser et d'assumer des valeurs, parce qu'il y a une demande de la part de nos élèves, et c'est ce qui fait que pour moi, il n'y a pas un rejet. On l'a beaucoup entendu aujourd'hui, s'interroger, rejet des médias, rejet des politiques, c'est pas tout à fait ça. Je crois que, enfin, je suis même persuadé que les élèves que j'ai en face de moi sont justement en attente de démocratie, c'est-à-dire en attente d'engagement, et on leur apprend l'esprit critique, on leur apprend à faire des constats, et ils en déduisent leur impuissance, parce qu'ils n'ont pas les mécanismes par lesquels ils peuvent agir sur le monde, et leur esprit critique, en quelque sorte, se retrouve borné par l'incapacité à se traduire par de l'action. Et c'est là qu'ils en veulent un peu aux journalistes ou aux hommes politiques, qui, eux, ont cette puissance, qui sont en capacité de critiquer, mais qui confisquent, en quelque sorte, la parole ou l'action dont, eux, ils se sentiraient aussi désireux de participer.
Et c'est ce qui fait tout le succès en général des rencontres qu'on a quand on reçoit des hommes politiques ou des journalistes qui viennent dans les lycées. C'est toujours un grand succès. Hein. Les élèves sont très contents et les rencontres se passent toujours bien. On l'a d'ailleurs beaucoup répété au cours de la matinée. Et je crois que c'est justement là qu'on devrait relever cette contradiction. S'il y avait un rejet entre du journalisme ou du politique dans l'absolu, ça ne fonctionnerait pas à l'école alors non plus. Ça fonctionne à l'école parce que l'école est un espace dans lequel une rencontre, un engagement est possible. Et je crois qu'il faudrait travailler là-dessus. Il faudrait, pour réduire ce relativisme et apprendre à construire un esprit critique, il faut aussi qu'il y ait un espace concret par lequel nos élèves pourraient déployer leur citoyenneté. Voilà. Eh ben, on arrive un petit peu au fond du sujet. Effectivement, la plupart du temps, les professeurs, quand ils font des interventions, disent, on leur apprend à douter, mais du coup, ils se mettent à douter de tout. Ça finit par remettre en cause toutes les vérités qui étaient acquises au cours des différents cours précédents. Et alors, on a un peu la réponse, Nicolas, de comment répondre à ça. Justement, parce que aussi une chose qui déstabilise beaucoup les journalistes quand ils ont en face des élèves, c'est que les élèves justement sont dans le rapport critique. Mais c'est ce qu'on leur apprend à l'école. C'est-à-dire que quand on source une information, la méthode scolaire consiste à la situer. Qui est l'auteur, d'où il parle, essayons d'évaluer sa subjectivité. Or les journalistes arrivent justement avec un discours sur la déontologie qui suppose leur objectivité. Et ils passent beaucoup de temps à essayer d'expliquer aux élèves qu'ils sont objectifs. Ce que les élèves ne croient pas. Et c'est ce qui ouvre un espace au doute un peu malsain, dans le sens où ils savent très bien, par le fait que l'école leur a appris ça, que tous les discours sont situés et que l'esprit critique consiste à interroger cette subjectivité. Or, voir des journalistes qui n'assument pas leur position, eh bien, ça les trouble. Et c'est ce qui fait que, là pour le coup, de manière un peu dialectique, ça construit en face un espace pour le complotisme, parce que si les journalistes n'assument pas une subjectivité dont ils sont pourtant aussi partie prenante, eh ben quelque part ça veut dire que ils cachent quelque chose, quoi, en quelque sorte. Pour le dire très simplement, c'est un petit peu ça qui se passe, parce que nous, en tant qu'enseignants, quand on analyse un discours, un article de presse ou quoi, eh ben, on le met en critique, et on critique aussi son auteur. On le présente, on le situe, etc. Et donc, quand on a un auteur, donc un journaliste en tant que tel, qui vient se présenter en appuyant à juste titre, mais je relève un peu cette, en tant qu'enseignant cette question-là, parce que on n'a jamais trop l'occasion d'en discuter, mais pourtant il y a là quelque chose qu'il faudrait poser, c'est-à-dire voilà, est-ce qu'un journaliste est aussi objectif que ça? Comment assumer sa part de subjectivité? Et c'est là, donc, pour terminer, que le cadre des valeurs me semblerait important. Vous voyez, pour le dire un peu de manière un peu comme le diraient nos élèves en veulent pas beaucoup alors ils sont pas du tout d'accord avec lui, mais ils en veulent pas beaucoup à un journaliste comme Éric Zemmour, parce que ils reconnaissent tous une qualité à ce journaliste, c'est qu'au moins il assume une position. Vous voyez, et c'est paradoxal, ça m'a beaucoup frappé de voir qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, mais enfin au moins il disait oui, mais au moins lui, il est honnête, il dit d'où il parle et quel est son engagement. Il est perçu comme tel. Hein, oui, c'est ça. Peut-être une réponse. Ouais. Oui. Je voudrais d'abord élargir un tout petit peu le cadre par rapport au journalisme, puisqu'on est dans l'éducation aux médias, on parle des journalistes. Mais en fait, je crois que la question de la mise en doute de la parole journalistique, elle s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, qui est, de mon point de vue, une crise de confiance dans les sachants, dans ceux qui sont censés porter un savoir. Et ça vaut pour les experts. Ça vaut pour les professeurs et ça vaut aussi par exemple dans le baromètre de la confiance qu'a mis en place le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française à Sciences Po. Il y a une question qui est très disons que en 2009 Sciences Po, le CEVIPOF a considéré que cette question de la confiance était tellement devenue importante qu'ils ont créé un baromètre annuel, je reprécise un peu les choses, et donc ils testent l'évolution de la confiance dans les institutions toutes. Alors les pompiers, l'hôpital, la justice, la police, bon, etc. Les trois derniers, hein, immanquablement, c'est syndicats, médias, politiques. Hein, et là, la confiance, c'est jamais au-dessus de 15%. Hein, donc c'est vraiment c'est la défiance maximale.
Et il y a une question, par exemple, qui est posée, c'est croyez-vous les chiffres, que les chiffres qu'on vous donne de l'inflation sont crédibles? Et là, c'est 30% qui croient que c'est crédible. Les chiffres du chômage, 32%, des choses comme ça. Et par exemple, vous voyez, c'est que même l'expertise reposant sur des données statistiques, etc., est mise en cause massivement par les Français, alors c'est pas que les jeunes, hein, évidemment, sur un mode, on a envie de montrer qu'on n'est pas dupe, qu'on se méfie parce qu'on croit que vous nous enfumez, etc. Et si on prend par exemple la crise des Gilets jaunes, c'est particulièrement, cet exemple est particulièrement criant. Des gens à qui on explique que d'après la statistique de l'INSEE, il y a eu 1,2% d'augmentation du pouvoir d'achat, à des gens qui voient bien qu'ils ont de plus en plus du mal à finir le mois et que la fin du mois, c'est plus le 30, c'est plus le 25, mais ça devient le 22, et ben, ils ne peuvent pas croire, si vous voulez, la statistique. Au sens, ils disent, mais ils se foutent de notre gueule. C'est comme ça qu'ils le vivent, quoi. Donc, la parole journalistique, moi, la mise en doute de la parole journalistique, je la mets dans un contexte plus large, qui me paraît d'ailleurs un contexte, du coup, encore plus inquiétant. Parce que c'est pas seulement la parole journalistique qui est mise en cause, alors même que les journalistes sont un des rouages du fonctionnement démocratique, un rouage essentiel même, mais c'est de façon plus générale l'idée qu'il y aurait une possible coupure entre ceux qui apparaissent comme des sachants, donc faisant partie d'une élite d'ailleurs qu'on va assembler, ceux d'en haut, des choses comme ça, avec des termes très, très vagues, ou pour le rejet commun de la politique et des journalistes, ça sera la classe politico-médiatique. Hein. Donc, du coup, cette mise en doute, elle est le signe de, sans doute, de quelque chose qui relève de la volonté d'affirmer que l'on ne veut plus être, ça sera vécu un peu comme ça, infantilisé, et que l'on veut pouvoir affirmer son autorité légitime face à ceux qui se présentent comme des sachants et qui pourraient du coup en avoir une certaine morgue ou quelque chose comme ça sur le mode nous on sait. Et du coup, dernier point pour répondre à ça, je pense que il est très important de prendre en compte le fait que c'est associé aussi à une attitude du coup. La mise en doute à une attitude qui ne signifie pas forcément, et je crois que c'est important de le dire, l'adhésion à tout ce qui est le contre-discours dans son contenu, mais que on peut très bien partager, ce n'est pas pour relativiser que je vais dire ça, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe non plus dans la panique morale qui consisterait à penser que toute personne qui a partagé un contenu complotiste croit dur comme fer à ce qu'il a partagé. Parce qu'une partie de la mise en circulation, c'est en réalité un bras d'honneur. C'est un bras d'honneur aux convenances, c'est un bras d'honneur aux élites. C'est ça, peu importe que j'y crois pas. Ça les fait chier, voilà, c'est vraiment quelque chose d'une réaction contre. Hein. Et donc, il n'y a pas que la mise en doute par adhésion, il y a la mise en doute par provocation. Et je crois que c'est aussi important et une des composantes. Je voudrais juste souscrire totalement en fait à cette analyse. On en discutait justement avec Philippe tout à l'heure. En fait, je serais moins inquiet que vous pour l'avoir observé bien avant les Gilets jaunes, hein, ce phénomène. Le lycée où j'enseigne recrute moitié sur des quartiers populaires type ZEP et moitié dans des zones périurbaines, zones qui représentent aujourd'hui ce mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est quelque chose que dans le milieu dans lequel j'enseigne, j'ai pu sentir monter depuis... Voilà, bien entendu, hein, ça explose, mais sur le long terme, justement, pour prendre un petit peu une échelle, je serais moins pessimiste, dans le sens où je crois que ça traduit justement une crise de la participation. C'est-à-dire que ce rejet des experts traduit en fait l'élévation, la démocratisation, plus au-delà même de la massification
simplification de l'enseignement. C'est-à-dire que notre système scolaire qu'on critique souvent aboutit quand même à avoir formé, son objectif était de former des citoyens, et c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas donné les outils promis par l'école à ces citoyens, c'est-à-dire on leur a donné un esprit critique, on leur a intimé la volonté de participer, et puis ils se retrouvent arrivés à 18 ans avec comme seul horizon celui d'être des électeurs. Et ça leur suffit pas. C'est pas ainsi qu'ils voient leur engagement. Et c'est pour ça qu'ils ont cette perception oligarchique un peu malsaine de la société. Et c'est ce qui valide dans le discours complotiste, c'est cette dimension oligarchique. C'est-à-dire, au fond, ils se disent, si nous qui sommes si nombreux, le pouvoir nous échappe, c'est qu'il existe une minorité de gens qu'on voit. Les journalistes, les hommes politiques, eux ont la parole, eux ont le pouvoir, et ils nous l'ont confisqué. Et par miroir, ça valide totalement le dispositif de ce discours populiste et oligarchique. Et effectivement, la plupart des élèves ne croient pas dans 80% des discours complotistes. Ils savent bien que tout ça, c'est de la foutaise. Donc il y a un peu, c'est un peu vain de vouloir expliquer que c'est faux, parce qu'au fond, ils le savent bien. Mais, mais ce qu'ils voient dans le discours, c'est qu'ils se disent en face, il n'y a que du mensonge. Un journaliste, un homme politique ne fait que faire semblant. Il appartient à une corporation de privilégiés qui défend ses intérêts. Et il nous enfume en disant qu'en fait lui il est neutre et il est à notre service alors que c'est pas vrai. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. Donc ils se disent c'est du mensonge. Alors les complotistes qui contestent ça ont peut-être tort à 80%, mais ils ont raison à 20%. Et c'est toujours mieux que zéro. Et c'est ce qui ouvre en fait un espace. Donc moi je crois que la sortie de ça consisterait à ouvrir des espaces de participation. Et pour en revenir donc justement à l'éducation aux médias, on voit bien que tous les indicateurs le montrent. Quand on fait participer les élèves, quand on leur fait rencontrer des journalistes, qui voient comment on fabrique l'information, qui voient concrètement qu'ils incarnent cette abstraction qui est pour eux le journaliste, qu'on quitte ces fantasmes oligarchiques et qu'ils incarnent un peu les choses et qu'ils sentent qu'il y a un espace dans lequel ils peuvent s'approprier et participer, ça marche toujours très bien. Et moi, ce que je souhaiterais en tant qu'enseignant, c'est voir justement se déployer. Alors, on a dit ce matin que c'était dans les programmes et que c'est très bien. Mais moi, je ne me réjouis pas de voir trois mots, trois lignes dans un programme. Je crois qu'au contraire, on assigne beaucoup à l'éducation, à l'école, le rôle de l'orientation et de donner un métier. Ce que nos élèves croient très moyennement, personne n'a eu un métier parce qu'il était au lycée ou au collège, encore moins, donc c'est pas quelque chose dont les élèves sont désireux, mais on fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de temps, beaucoup de moyens qui sont dépensés dans cette éducation à l'orientation. Je dis pas qu'elle est inutile, mais je dis qu'elle prend trop de temps, alors que l'école s'est assignée la mission initiale de former des citoyens, et que ces moyens et cet engagement là, mis à part pour des projets toujours trop ponctuels et où on manque de temps pour franchement faire le travail, il faudrait de la place et un espace pour ça. Voilà. Oui, juste deux ou trois réactions sur ce qui vient d'être dit, en particulier parce que j'ai un peu travaillé sur l'histoire de théorie du complot, de complotisme, et la première remarque, c'est que on en a sans doute fait beaucoup trop sur un discours qui était dans les journaux encore il y a peut-être 6 mois, 1 an, sur le fait que tous les jeunes, tous les adolescents étaient complotistes, etc. Parce que de toute façon, la notion même de complotisme, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement discutable. Je veux dire, d'abord parce qu'il y a énormément de vrais complots. Enfin, il suffit de lire pourquoi, par exemple, les trois quarts des films américains, Jason Bourne, enfin, il y en a plein de grosses super productions américaines, ça raconte des complots. Parce que quand vous lisez l'histoire de la CIA, quand les choses ont été déclassifiées dans les 70-80, il y a des choses qui sont quand même assez renversantes, des cliniques psychiatriques entièrement consacrées à des choses, enfin, comme dans les films, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on entend par complotisme ? C'est en fait assez compliqué. On entend par complotisme des explications de certains phénomènes qui font appel de manière non nécessaire à l'action délibérée, collective, cachée et malveillante d'un groupe d'individus. Bon. L'ennui, c'est le non nécessaire. C'est-à-dire que comment vous pouvez juger que, dans certains cas, il est nécessaire d'expliquer quelque chose par référence à l'action malveillante d'un groupe d'individus, et dans d'autres cas, non, c'est pas simple. La première remarque que je voulais faire, c'est qu'en fait, quand on regarde les chiffres, etc., des gens qu'on dit complotistes, il y a des sondages qui vont jusqu'à 71% de complotistes. C'est des sondages délirants. Alors, je crois que c'était croit au moins à une théorie du complot. Oui, c'est ça. Sauf que c'est très très mal défini, théorie du complot. Ouais. Alors, ceci étant,
La première chose quand même qu'on peut dire, enfin ce qui a été dit, c'est que c'est quoi une croyance ? C'est pas du tout évident de croire qu'il pleut, on sait à peu près ce que c'est. Croire que demain il va faire beau, croire en une théorie du complot, c'est facile de parler, on parle de croyance tout le temps, hein, mais très souvent les discours sur la théorie du complot s'en mêlent complètement les pieds dans ce qu'on entend par croyance. En particulier, il est très facile de dire quelque chose, mais de ne pas vraiment croire fondamentalement ce qu'on dit. Hein, y a des philosophes qui disent la mesure de, par exemple, je crois que tel énoncé est vrai, c'est combien je suis prêt à parier sur tel énoncé est vrai. Et très souvent, les gens qui disent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, ils ne sont pas prêts à parier 10 euros là-dessus en vrai. Donc, ils y croient que très, 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 très peu. Ils y croient beaucoup moins que quand ils disent que, par exemple, je crois que, je ne sais pas, le PSG va gagner demain. Parce que là, oui, c'est plus facile de parier dessus. Ceci étant, il y a plein de recherches qui ont été faites sur les théories du complot, et en socio, en psychosocial, en psychologie, on trouve très peu de choses. La seule chose qu'on a à peu près trouvée, c'est que le bon prédicteur pour savoir si vous allez croire à quelque chose qu'on a catalogué comme une théorie du complot, c'est si vous croyez déjà à une théorie du complot. C'est-à-dire que si vous pensez que personne n'a marché sur la Lune, il est fort probable que vous pensez que le 11 septembre, c'est la CIA, le Mossad, les aliens, tout ce que vous voulez. La seconde chose, c'est que, et ça c'est assez intéressant, quand on a regardé sur le 11 septembre, une énorme proportion de gens qui sont parmi les activistes de Reopen 9-11, pour les choses sur les gens qui s'évertuent à montrer qu'en fait ça ne va pas du tout ce qu'on dit sur le 11 septembre, alors que quand même on a accumulé pas mal de preuves matérielles, on va dire. Sont souvent des gens qui sont par exemple des ingénieurs à la retraite, des choses comme ça. Donc ce sont des gens qui ont un certain bagage scientifique culturel. C'est pas du tout des ignorants. Il y a souvent, on fait le lien entre croire à des théories du complot, être pas éduqué, c'est complètement faux. En tout cas, c'est pas absolument vrai. Et donc c'est ce qui m'amène à ce que disait Nicolas, hein, à savoir, quand vous donnez aux gens une méthode, hein, à l'école vous leur apprenez une méthode scientifique, une méthode de raisonnement, en fait, ça ne suffit pas parce que ça peut aller dans tous les sens. Et effectivement, si on en revient à la question de qui était posée sur le doute, oui, le doute fait partie de la rationalité. C'est-à-dire que si on doit enseigner, par exemple, des choses très très basiques de philosophie sur la rationalité à des étudiants, on va commencer en disant, la raison scientifique, on va dire. Ça a été inventé en Grèce classique. Et alors avant, il y avait des gens qui transmettaient sur l'origine de l'univers, pourquoi il y a des hommes et des femmes, pourquoi il y a des animaux, pourquoi la vie, qui transmettaient des mythes. Alors vous avez plein de mythes, et puis ils les transmettaient de génération en génération, et la raison a émergé du jour où il y a quelqu'un qui a posé une thèse. Alors parfois on dit c'est Thalès qui a dit tout est de l'eau, voilà, une thèse absolument générale sur l'univers. Et puis il y en a un autre qui est venu et qui a douté et qui a dit non, c'est pas possible, tout ne peut pas être de l'eau, regarde, ça c'est un boulon, c'est pas de l'eau, donc tout est de la terre. Bon, alors après il y a eu tout est du feu, c'est très caricatural, hein, mais c'est l'idée. Donc c'est l'idée qu'à la tradition, c'est-à-dire au fait de répéter avec des petites variantes quelque chose qui a été énoncé dans la nuit des temps, s'oppose le mouvement de hypothèse et réfutation, ou proposition et critique, qui est constitutif de la rationalité scientifique, de la rationalité philosophique ou même juridique. Et donc le doute, ça fait partie de la rationalité. Mais effectivement, ce qui fait partie, le doute raisonnable, hein, c'est l'impression qu'on dit toujours dans les tribunaux, en tout cas en contexte anglophone, hein, est-ce que quelqu'un peut être jugé coupable au-delà de tout doute raisonnable ? Le doute raisonable pose le problème de savoir c'est quoi un seuil de rationalité. Et les usages déraisonnables du doute, ceux qu'on trouve par exemple dans les théories, par exemple les théories négationnistes, hein, les gens qui disent qu'il n'y a pas eu de camp d'extermination dans l'Allemagne nazie ou de génocide des Arméniens, c'est un usage excessif, on va dire, du doute, irrationnel. Hein, et pourquoi irrationnel ? Alors le cas du négationnisme est un peu un cas d'école. Si vous faites de l'histoire, hein, si vous faites vous devez quand même admettre un certain nombre de choses au départ. Vous devez admettre qu'il y a un passé. Vous avez des philosophes, dans leur activité de philosophe, qui font des hypothèses farfelues où ils disent que l'univers n'a jamais existé avant leur naissance. Bon, on peut faire des théories comme ça. Si vous pensez ça, vous ne pouvez pas être historien. Vous devez aussi admettre que les gens ne sont pas absolument fondamentalement menteurs. C'est-à-dire que si vous pensez que depuis Ramsès II,
tous les documents écrits sont faits par des menteurs et sont mensongers, vous ne pouvez pas faire d'histoire non plus. Hein. Donc c'est ça le doute raisonnable, c'est le doute qui s'appuie sur des choses que vous ne mettez pas en doute. Alors il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Wittgenstein, qui était bon pour les formules, qui dit en fait si vous avez une porte ça bouge, mais pour qu'elle bouge il faut qu'il y ait des gonds, parce qu'elle tourne autour des gonds. S'il n'y a pas de gonds, bah, vous les prenez sur la figure en fait. Et le doute c'est pareil, donc vous doutez jusqu'à ce qu'un noyau de choses que vous ne mettez pas en doute, qui, et alors dans la méthode scientifique, dans la méthode historique, ce noyau de choses que vous ne mettez pas en doute est constitutif de votre méthode scientifique. Si vous faites des maths et si vous pensez que de toute façon votre cerveau est tellement mal fichu qu'il n'est pas capable d'additionner 2 plus 2, bah, vous ne pouvez pas faire de maths. Si vous pensez que le cerveau humain n'est pas capable d'additionner sans se tromper 2 de plus 2, vous êtes philosophe. Et René Descartes écrit ça à un moment. Enfin, après, il raisonne là-dessus. Mais voilà. Donc, je pense que c'est important, cette question de frontière du doute, et qui a à voir avec toutes ces espèces de théories complotistes, négationnistes, etc., lesquelles, encore une fois, généralement, ne sont pas des choses que les gens croient pleinement. Et voilà. Donc il faut avoir quand même une partie des choses que sur lesquelles on va s'appuyer, sur lesquelles on va pas porter de doute. Et comment on décide ces choses-là? Comment on décide que sur le Monde, on va le croire, c'est un média qu'on va croire, et puis le post de sa cousine sur une vidéo obscure qui a été tournée samedi dernier, on va pas le croire? Ou l'inversement d'ailleurs. C'est là qu'il y a une part, on va dire, d'idéologie ou d'autorité qu'il faut assumer. C'est-à-dire, on est depuis les années 70, hein, depuis Solzhenitsyn et la crise des idéologies, on a un peu du mal à assumer le fait qu'il y a un cadre, mais il y en a nécessairement un. Aucune société peut se construire sans l'encadrement de ses valeurs. Alors, c'est vrai que toute la philosophie postmoderne a interrogé la validité de ce cadre, sa manipulation, les risques aussi autoritaires qui pouvaient en tenir lieu. Mais il faut nécessairement qu'il y ait un cadre. Et quand Philippe dit qu'il y a nécessairement des valeurs qui sont constitutives de la méthode, je crois que c'est important de poser ces valeurs comme des objets de partage qui sont précisément incontestables, quoi. Mais c'est difficile de le faire dans le cadre de l'enseignant. Enfin, c'est possible de le faire en tant qu'enseignant. Mais je crois qu'il y a un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans les textes d'orientation pédagogique, c'est le mot explicitation. Voilà, il faut expliciter des choses. Et c'est autant les démarches qu'il faut expliciter que les valeurs. Voilà, pour terminer sur ça, je crois qu'on est d'accord avec Philippe que c'est pas tellement un défaut d'ignorance qu'on a face à nous, parce que précisément, oui, on le voit avec les gens qui sont sensibles à tout ces théories du complot. C'est moins par ignorance, ou c'est très peu par ignorance, et souvent justement par mauvais usage d'une méthode ou d'une éducation qui finalement n'est pas bornée et située dans un cadre. Voilà. Et Arnaud Mercier, du coup, pourquoi est-ce que, selon vous, certains vont donc croire ou ne pas croire, ou peut-être que du coup, au vu de ce qu'on dit, on devrait remplacer le mot croire, ou plutôt le verbe ne pas croire par rejeter, des médias dits mainstream, alors que on va croire quelque chose qui circule sur Internet sans que ce soit sourcé. Vaste question. Deux minutes. Non. D'abord, je voudrais quand même revenir sur l'autre question, parce que sur les faits, ça va être un élément. C'est aussi une façon de répondre à la deuxième question. Moi, je voudrais rappeler que le consensus sur les faits, sur certains constats, est au principe même de la démocratie. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'entendre sur un certain nombre de faits, et dans leur existence matérielle, j'entends, et après, le débat démocratique porte sur l'interprétation qu'on donne aux faits, ou sur la manière dont on répond à ces faits. Donc, on arrive à compter, on a une méthodologie qu'on a explicité, sur laquelle on va, et donc on arrive à 2 millions de chômeurs. Non.
Alors, 2 millions de chômeurs, on peut remettre en cause la méthodologie et dire « Ah ben non, attendez, je ne suis pas d'accord avec cette méthode, ça c'est la démarche scientifique, c'est le doute scientifique. Avec une autre méthode, on arrive à, bon, d'accord, mais si il y a consensus sur la méthode, alors dans ce cas-là, il doit y avoir consensus sur la reconnaissance des faits et ensuite interprétation, oui, alors ces chômeurs, c'est à cause d'eux, c'est parce que, et pour du coup, pour lutter, pour le supprimer le chômage, il faut faire ça, mais non, il faut faire ça. Voilà. Et donc, si on n'arrive pas à s'entendre sur les faits, c'est les conditions même du consensus démocratique qui sont atteintes. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose d'extrêmement dangereux, cette notion de post-vérité, hein, post-truth, ou de fait alternatif, comme dirait la porte-parole de Donald Trump, qui pose énormément de problèmes, puisque ça veut dire, en fait, les faits sont démentis par mon opinion. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, en fait, je refuse de reconnaître à autrui une forme d'accord sur un minimum de quelque chose qui serait la reconnaissance des faits. C'est le désaccord intégral avec autrui, avec celui qui porte une autre vision, puisqu'on n'arrive même pas à s'entendre sur. Et du coup, je pense qu'une des réponses, c'est d'être factuel. Et c'est d'être d'une exigence d'autant plus forte que justement certains vont refuser les bases du débat démocratique autour de la reconnaissance consensuelle de ce qu'est qu'un fait. Et donc un fait matériel, j'entends. Et donc je pense qu'il faut du coup avoir une exigence sans relâche du point de vue des enseignants, mais aussi du point de vue des journalistes. Et donc le fait que si les journalistes veulent regagner la confiance, il faut qu'ils soient, j'allais dire, béton sur les faits. Béton sur les faits, ça veut dire être capable d'expliciter, je reprendrai vraiment ce mot, de dire voilà, d'apporter la preuve, de par exemple de ne pas céder, et c'est vrai aussi pour les enseignants, hein, donc je dis ça pour les journalistes, mais c'est vraiment la même chose pour eux. C'est-à-dire, vous dites quelque chose. Vous ne dites pas quelque chose si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas capable d'en apporter la preuve. C'est-à-dire, et donc, vous pouvez avoir une preuve matérielle, un témoignage, un chiffre, enfin quelque chose qui donne ça. Et donc, ne pas se laisser aller à une facilité qui est aussi dire oui, non, mais ça, ok, pas besoin de le prouver, tout le monde sait ça, ou des choses comme ça. Et puis aussi, ne pas caler justement sur ceux qui contestent les faits. Et se battre pour. Je prends un exemple, puisque je parlais de la porte-parole de Donald Trump. Donald Trump organise cette cérémonie d'investiture et dit dans un des tweets, c'est la cérémonie qui a connu le plus grand nombre de gens depuis l'invention de ces cérémonies. Il se trouve que les chaînes de télé, c'est tous les 4 ans, c'est complètement ritualisé comme cérémonie, etc. Il se trouve qu'ils ont un endroit, ils sont sur le toit d'un immeuble, voilà, et tous les 4 ans, ils sont au même endroit parce que voilà, ça permet d'avoir un vue surplombante, etc. Et donc, on met regardez, là, les gens, ils étaient amassés jusque-là, et puis avec Obama, ils étaient 300 mètres derrière. C'est factuel, c'est juste factuel. On met les deux photos, voilà, y a une, la rue est à moitié vide, l'autre elle est pleine. Bon, ben voilà. Donc désolé monsieur Trump, mais c'est pas vrai, il y avait plus de monde à la cérémonie, voilà. Et en plus, bon, and so what, c'est pas si grave que ça d'ailleurs. Et quand on interroge la porte-parole, elle dit ah oui, mais c'est des faits alternatifs. Ce qui est un non-sens, enfin, c'est juste une pirouette rhétorique qui ne convainc pas grand monde, sauf ceux qui veulent bien être convaincus, justement, biais cognitif. Mais voilà. Et donc je pense que du côté de, si vous voulez, il y a un double mouvement pour finir de répondre à votre question, pourquoi plutôt ces médias que d'autres, ben, il y a une position qui est un jeu de posture que j'ai déjà énoncé, qui a déjà été énoncé par mes petits camarades ici, c'est-à-dire une défiance vis-à-vis de ceux qui sont des sachants, de ceux qui prétendent être objectifs, alors qu'on sait bien que, enfin, etc., etc., qui sont peut-être pas toujours assez exigeants vis-à-vis des faits, vis-à-vis de ceux sur quoi, qui font pas toujours ça au scalpel, peut-être, dans la présentation clinique des choses. Et puis, il y a bien sûr le fait que dans les médias alternatifs, ben,
là, les biais cognitifs jouent à plein, puisque on entend et on reçoit que ce qu'on aime entendre et voir. Et de ce point de vue, il faut le dire tout de suite, qu'il y a une le diable s'est réincarné sur Terre il y a quelques années en inventant les algorithmes modernes façon Facebook, hein, parce que comme machine à enfermer chacun. Alors on dit bulle de filtre, etc. Mais indépendamment de ça, c'est tout simplement à enfermer dans un monde. J'ai une de mes collègues, Nathalie Pignard-Chenel, avec qui on a écrit un livre qui s'appelle « Commenter et partager l'information sur Twitter et Facebook » en 2018. Et elle s'amuse avec ses étudiants à faire un test systématiquement chaque année. Ils créent des comptes Facebook. Ils font un petit profil chacun, un faux, hein, avec un profil un petit peu marqué, mais pas trop. Et puis, ils commencent, ils disent, voilà, tiens, alors par exemple, elle a fait ça pour la présidentielle en France. Alors, française, de 2017. Moi, je vais être surtout Mélenchon, je cherche les trucs de surtout, moi, surtout Marine Le Pen, moi, surtout machin, etc. Donc, ils s'abonnent à des pages médias, ils cliquent sur trucs, ils cliquent sur machin à chaque fois que c'est du Mélenchon, etc. Et au bout d'une semaine, ils ne reçoivent plus que du Mélenchon. Au bout d'une semaine, ils ne reçoivent plus que du Le Pen. Donc là, on est quand même, c'est bien, il y a bien un enfermement quelque part par l'algorithme. Hein, ça a été un peu dit, mais par le directeur du Clémy tout à l'heure. Mais moi, j'insisterai encore beaucoup plus là-dessus. Si on fait de l'éducation aux médias, il faut aussi faire de l'éducation effectivement aux réseaux sociaux. Et typiquement, il faut faire de l'éducation aux algorithmes. C'est-à-dire avoir conscience qu'une partie de ce qu'on reçoit est complètement gérée par une machine. Et pour le coup, par rapport à l'esprit critique, etc., si on leur montrait l'ampleur de la boîte noire en leur faisant bien comprendre, je pense que justement, ils agiraient là aussi avec un esprit peut-être beaucoup plus critique qu'ils ne le font encore actuellement, même si justement, là aussi, les jeunes sont critiques puisqu'ils sont de moins en moins sur Facebook. Oui, alors je vais juste reprendre sur cette, parce qu'effectivement c'est assez fondamental, hein, cette notion des faits, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de désaccords démocratiques entre individus que si on s'accorde sur un noyau de quelque chose, sinon on ne peut pas être en désaccord. Et ce noyau sur lequel on est censé s'accorder, c'est les faits. Alors quand Trump a été élu, c'est un moment important pour toutes ces histoires. Les gens donc, qui font de les universitaires, en particulier des philosophes, se sont dit, aïe, on a un peu déconner quand même, parce que ça fait à peu près 40 ans qu'on nasse ce qu'on appelle ces philosophies du soupçon, hein. Nietzsche disait, voilà, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Marx disait, quoi que vous disiez, en fait, vous représentez votre classe sociale. Freud disait, quoi que vous disiez, en fait, vous ne manifestez que vous savez bien quoi. Et donc, on est quand même allé trop loin. Alors la notion fondamentale qui revenait le plus souvent, c'était la notion de construction sociale, hein. C'est l'idée que, par exemple, non seulement les objets sociaux, mais peut-être même éventuellement des choses qui nous semblent très 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 indépendantes de nous et qui vivent leur vie comme les microbes. Il y a un livre célèbre d'un auteur célèbre qui s'appelle Bruno Latour qui explique que les microbes, en quelque sorte, c'est une construction sociale. Et donc les gens se sont dit, eh ben voilà, à force de développer ces idées que les faits et l'interprétation des faits sont tellement inextricables qu'en fait il n'y a plus de faits, on se retrouve à ce que ces idées passent dans l'opinion, puis les gens de toute façon ils croient plus ce qu'ils lisent sur les faits dans les journaux ou à la télé, etc., puis ils votent Trump. C'est effectivement, c'est sans doute très caricatural, c'est sans doute je pense que si on réfléchit pour schématiser vraiment les choses, on pourrait dire voilà, il y a un âge très classique, hein, c'est les choses où les philosophes ou même les auteurs des Lumières qu'on apprend à l'école, hein, ils adhéraient à deux distinctions. La première qui était entre les faits et les valeurs, c'est-à-dire que le monde il est comme il est, bon, vous avez des faits, puis alors après il y a des jugements de valeur, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et c'est deux choses assez différentes. Et puis, ce qui a été évoqué tout à l'heure, la différence entre le subjectif et l'objectif. Et les gens savaient bien qu'il y a, par exemple, tous les auteurs classiques vont vous dire, bon, ben voilà, le froid, le chaud, le vert, le rouge, tout ça, c'est complètement subjectif, ça dépend de qui vous êtes, mais le poids, c'est mesurable. Voilà, la masse, hein, ça se mesure avec le poids, et c'est complètement objectif. Et ces deux distinctions, du subjectif et de l'objectif, du fait et de la valeur, sont des choses qui ont été effectivement très sérieusement remises en question depuis un siècle à peu près. Il y a des auteurs qui vous montrent que, finalement, la science repose sur des notions, des jugements de valeur. Donc la science des faits, par exemple, souscrit à l'idée que la raison, c'est mieux que la déraison, la raison, c'est mieux que l'autorité, le vrai, c'est mieux que le faux. Au fond, tout ça, c'est des jugements de valeur. C'est très difficile à prouver que le vrai, c'est mieux que le faux. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette notion de construction sociale? En fait, je pense que
c'est vrai, il y a un noyau de vrai dans l'idée de construction sociale. Si je vous demande par exemple qui est le meilleur joueur de tennis en ce moment, bon, en tout cas je ne suis pas à jour, hein, mais mettons, il y a une semaine, vous allez me dire c'est Djokovic. Non. Il y a des faits. C'est quoi les faits? C'est qui bat qui sur une certaine durée, qui bat qui dans tous les tournois. Et puis à partir de ces faits-là, on construit un classement. C'est très marrant les classements, c'est très intéressant ce que c'est qu'un classement. Il y a plein de manières de faire des classements. Alors en gros, le principe des classements, c'est plus vous battez quelqu'un qui est fort de vous, plus vous gagnez de points. Mais bon, les matchs en 2-7, les matchs en 3-7 sont pas pareils, les matchs en 3, les matchs en 5-7 sont pas pareils, les tournois n'ont pas tous la même valeur, le nombre de tournois que vous allez faire, si vous en êtes 3 dans l'année, si vous en faites 48, c'est pas exactement pareil. Donc au bout du compte, sur ces faits qui sont complètement objectifs, c'est-à-dire qui a battu qui, quel score, quand, vous allez construire un classement. Ce classement, en fait, bah alors il est complètement, c'est le même que le classement Elo, c'est-à-dire que c'est le classement qui est utilisé aux échecs depuis des décennies. Il y en a d'autres. Il suffit juste de pondérer, par exemple, au lieu de dire si vous battez quelqu'un qui est 5 rangs au-dessus de vous dans le classement ATP, ça vaut 10 points, vous dites ça vaut 20 points, bah, vous allez changer le classement. Et Djokovic sera peut-être plus le meilleur joueur du monde. Alors, est-ce que c'est un fait que c'est le meilleur joueur du monde? Est-ce que c'est une construction sociale? Est-ce que la question a même un sens? Alors après vous pouvez raffiner, hein, vous pouvez vous dire bon alors on va prendre 5 classements différents et si ces 5 classements différents me donnent plus ou moins 1 les 5 meilleurs joueurs du monde, ça veut dire que c'est vraiment les 5 meilleurs joueurs du monde. Mais ce que je veux dire c'est que même un truc aussi bête que qui est le meilleur joueur du monde est complètement alors il y a des faits, encore une fois on part sur des faits, hein, les victoires et les scores, mais à partir de là on construit des choses. Et moi je pense que ce qui est très important c'est quand on parle de faits d'arriver, et ça c'est un petit peu compliqué quand même, à rendre sensible aux gens qu'il y a une part de construction sociale effectivement assez souvent qui est discutable. Alors si je reprends par exemple l'exemple du pouvoir d'achat, moi je me souviens j'avais vu à la télé, on disait oui alors les gilets jaunes ils manifestent parce qu'ils trouvent que le pouvoir d'achat s'est cassé la gueule, mais en fait il a monté. Alors oui mais juste alors là c'est un autre problème, mais alors c'est en jeu dans pas mal de construction sociale, c'est les statistiques, c'est-à-dire que ça s'appelle la valeur moyenne. Et donc si vous faites une moyenne, le pouvoir d'achat par définition il y a des gens pour qui il baisse, des groupes de gens pour qui il baisse, des groupes de gens pour qui il monte, et il est extrêmement probable que s'il monte assez pour un petit groupe de gens il va pas mal descendre pour un très très gros groupe de gens. Et quand ces gens vont dire notre pouvoir d'achat il ne monte pas, c'est absolument contre-productif d'aller leur dire ah oui mais le pouvoir d'achat monte. Parce que juste en fait c'est pas complètement vrai pour ce groupe de gens là, c'est pas vrai en fait. Les statistiques, beaucoup de nos savoirs reposent sur des statistiques et des probabilités, et les statistiques en fait, alors c'est quelque chose d'assez contre-intuitif, et les indicateurs statistiques généralement on en prend un, les moyennes, ou quand on est un tout petit peu sophistiqué on en prend deux, la moyenne et la variance, il y en a plein, on peut faire plein d'indicateurs statistiques. Généralement on donne pas le mode d'emploi aux gens, hein. On donne encore une fois des choses très très simples. Si vous même alors, à l'intérieur même de la science, vous avez une forêt amazonienne, vous dites quelle est la valeur de la biodiversité dans cette forêt, c'est très difficile à mesurer. Il y a 4 ou 5 indices possibles. Est-ce que vous avez plus de, vous avez des faits, hein, vous avez des organismes de telle et telle espèce là, est-ce qu'il y a plus de biodiversité quand vous avez 278 espèces de moustiques avec 1000 individus par espèce que un éléphant et une espèce de moustique avec 10 000 individus. On peut discuter ça. Alors, est-ce que c'est une construction sociale ou pas, la biodiversité? Oui, il y a une partie qui est forcément une construction sociale fondée sur un consensus conventionnel de scientifiques. Mais voilà. Et donc, l'enjeu là, et je termine juste avec ça, je reviens sur cette deuxième distinction que je disais entre le subjectif et l'objectif. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les gens étaient disciplinés. C'est-à-dire qu'on leur disait que le subjectif, leur sensation, c'est comme la sensation du chaud, je sens qu'il fait chaud mais il fait moins 5 degrés, il fait moins 5 degrés, il fait froid, on est d'accord, c'est réglé par des mesures objectives. Et en fait, pour tout un tas de raisons, on fait de moins en moins confiance à ces mesures objectives, et donc on se retrouve aussi avec des choses alors, qui sont le contraire un petit peu de ces histoires de gilets jaunes et de pouvoir d'achat, c'est-à-dire les gens qui disent il n'y a pas de réchauffement climatique parce qu'il fait froid, parce qu'ils sentent qu'il fait froid, c'est vrai qu'il fait froid. Non, en fait, le changement climatique, c'est qu'il va faire de plus en plus froid quand il va faire froid, ça fait partie du changement climatique, parce que c'est oui, mais ça n'empêche pas que la température moyenne augmente, et c'est ce genre de choses qu'il faut faire passer. Je vais censurer ma dernière question pour laisser le micro à la salle s'il y a des personnes qui ont des questions à poser. Sinon, je ne censure pas ma dernière question.
Alors, pour faire simple, en tant que journaliste, je m'interroge beaucoup ces derniers temps sur la parole qu'on laisse à chaque citoyen, notamment pour les gilets jaunes. C'est-à-dire que j'ai l'impression, notamment sur les formats généralistes accessibles gratuitement, et c'est empiré par les réseaux sociaux, que celui qui manifeste et qui a quelque chose à dire, peut le dire en fait. Et du coup, quand je vous ai écouté tout à l'heure, je me demande si les journalistes ne contribuent pas au relativisme en nivelant la prise de parole du citoyen, c'est-à-dire en ne hiérarchisant pas, en ne rappelant pas quel est le contexte, notamment sur les chaînes, les télés gratuites, on a cité BFM ce matin, mais bon, il y en a d'autres. Et donc, du coup, en fait, est-ce que c'est pas ça aussi le relativisme dans les médias? C'est-à-dire que tout le monde peut faire douter de tout, comme ça, en 30 secondes, en prenant la parole sur un média qui a une réputation, qui a une renommée, etc. Je pense qu'il y a un vrai enjeu qui est derrière votre question. C'est celle de... et qu'on ne retrouve pas seulement dans une opposition entre des journalistes et des gens, par exemple, populaires, parce que c'est vrai aussi des hommes politiques, par exemple. C'est la difficulté où sont les journalistes, et je pense aussi, par exemple, les enseignants, même si c'est quand même moins vrai, à pouvoir reprendre les gens. Parce que reprendre les gens, et surtout dans une arène publique comme un plateau télé, etc., c'est une offense. Parce que vous risquez de faire perdre la face à l'autre. Donc si vous dites quelque chose, là vous venez de dire ça, et je vous dis, écoutez, c'est pas ça du tout, c'est pas vrai, factuellement, là vous avez, c'est le contraire en fait. Vous voyez, vous pouvez le prendre comme une blessure narcissique personnelle. D'ailleurs vous partez, voilà, non mais vous comprenez. Donc il y a la manière de dire, il y a les formes pour le dire. Si je dis, vous êtes vraiment un crétin, c'est complètement faux ce que vous venez de dire, évidemment. Là, j'en rajoute puisque je vous insulte carrément. Mais sans vous insulter, en mettant toutes les formes du monde. Je veux dire, écoutez, enfin, je suis désolé, vraiment, mais ce que vous venez de dire est factuellement faux. C'est déjà quelque chose que la personne va prendre mal, forcément. Et donc, on voit bien que face à cette difficulté, qui est une difficulté relationnelle, hein, tout simplement, parce que ce sont les conditions de poursuite de la communication qui sont en jeu. Eh bien, il me semble que les journalistes sont placés dans la situation de refuser de jouer à ça. Et c'est vrai aussi dans les discussions avec les hommes politiques, c'est-à-dire que dans un débat, hein, mais écoutez, vous dites ça, mais non. Avec en plus là, la difficulté supplémentaire qui est celle justement de l'objectivité ou pas des journalistes, puisque c'est le simple parce que quand vous savez que le jeu sur une donnée, sur un fait est un argument politique, le fait de venir rétablir les faits est peut-être perçu comme une contribution au débat politique puisque vous êtes en train de ruiner l'effet que la personne qui a dit quelque chose de faux cherchait à avoir. Et donc c'est extrêmement difficile, et c'est vrai qu'on a vu souvent les journalistes, et, vous êtes bien sûr, enfin vous voyez, émettre un doute simplement, ou même glisser. C'est-à-dire, donc ils savent que l'autre ment, et pourtant ils le font. Et moi j'ai toujours dit, ça fait très longtemps, que je dis, il y aura un vrai progrès par exemple, des débats politiques ou ce genre de choses, le jour où il y a le journaliste animateur, qui reste dans la posture d'animateur et de débattant au sens de posant les questions, accompagné par ailleurs d'une cellule qui est derrière, et qui, par exemple, donc qui ne rompt pas l'interaction directe sur le plateau, mais qui peut faire passer par exemple un bandeau en disant ce que vient de dire monsieur machin est juste faux parce qu'il a dit que c'était 14% alors qu'en fait c'est 28%. Vous voyez, sur un mode mais clinique, hein, pas de juste on
Alors évidemment, c'est extrêmement compliqué parce que rétablir la vérité en direct, c'est pas simple, enfin, etc., etc. Donc je pense que il y a des choses en cours là-dessus qui se travaillent aux États-Unis, je crois. Oui, oui, absolument. Il y a, avec des machines automatiques, mais avec des algorithmes. Mais bon, là aussi, hein, les algorithmes, c'est pas toujours la vérité non plus, quoi. Ah ben, alors si je peux profiter là-dessus pour poser ma dernière question, c'est un peu ça sur le fact-checking. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui fonctionne quand on est face à des gens qui sont dans le rejet, précisément, qui réagissent par colère ou par peur? Est-ce que avoir du fact-checking, c'est quelque chose qui fonctionne? Ouais. Alors ça, moi, j'ai une idée très claire là-dessus. Je vais pousser un peu le bouchon. Je vais dire, le fact-checking, ça sert à rien. Mais je pousse. Hein. Là, je me caricature moi-même. Mais je voudrais vous renvoyer pour les plus anciens, parce que les plus jeunes, je suis pas sûr qu'ils connaissent bien, mais je voudrais vous renvoyer à l'inspecteur Colombo. L'inspecteur Colombo. Quelle est la clé du succès de cette série? C'est pas une invention de Colombo, ça a existé avant dans les romans policiers, même si c'est rare, c'est le changement de focalisation. Nous ne sommes pas dans la focalisation empathique avec l'inspecteur, et nous allons en même temps que lui essayer de découvrir qui est l'assassin, qui est machin, etc. On se débarrasse tout de suite de ça, puisque la première scène du film, c'est la préparation et le passage à l'acte de l'assassinat. Et tout le jeu qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est comment Colombo va-t-il piéger l'assassin, et comment l'assassin essaye de piéger Colombo, avec en plus, c'est un des registres forts de Colombo, le côté mépris de classe, puisque c'est toujours des riches millionnaires qui sont des assassins, et lui, il surjoue le loc-du, etc. Bien. Figure bien connue de philosophe pauvre machin errant et tout ça. Bien, donc une sorte de Diogène, c'est ça, hein, je veux dire, il y a quelque chose de cet ordre. Et donc, pourquoi je réponds par Colombo? Eh bien, pour moi, le fact-checking, c'est l'effet Colombo. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont lire des articles de fact-checking sont des gens qui sont enfin, en vérité, déjà profondément convaincus que c'est faux. Et ce qu'ils vont rechercher, c'est deux choses. Un, qu'est-ce que ces salauds ont encore inventé comme mensonge, etc. C'est-à-dire qu'ils sont, ce qui les intéresse, c'est de bien connaître leur ennemi, l'ennemi commun avec le journaliste, celui qu'on cherche à débusquer. Et d'autre part, quel est le jeu intellectuel, la qualité de l'argumentation qui est déployée par les journalistes pour démonter le mécanisme. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, et donc ça sert à rien, puisque finalement ceux qui auraient besoin, qui doutent vraiment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc., ils n'iront pas ça, à mon avis. Alors maintenant que j'ai dit ça, j'ai dit je me caricaturais moi-même, j'ajoute juste comme un bémol, bien sûr que le fact-checking ça sert à quelque chose, notamment parce que ceux qui vont lire ça peuvent trouver des arguments, un cas typique, un prof, voilà, qui a lu dans l'IB ou un chien ou les décodeurs du monde, etc., du fact-checking. Le jour où il est confronté, il est un relais d'opinion et il a les arguments, il a l'argumentaire qui va lui permettre plus facilement d'essayer de prouver à ceux auprès de qui il est que, ben non, tu vois, c'est faux pour telle et telle raison, ça a été démontré, etc. Mais la vérité de la vérité, c'est qu'en effet direct, il ne faut pas en attendre grand-chose, parce que seuls les gens qui sont déjà convaincus que ce sont un mensonge sont de vrais lecteurs des pages de fact-checking. Et je crois qu'on va être obligé de s'arrêter là. Donc désolé pour les autres personnes qui auraient eu des questions ou s'il y a un peu de frustration au niveau des intervenants. Merci à vous, et tout de suite on passe sur un sujet sur les réseaux sociaux.